Le départ est imminent. Allez, ils viennent de s'élancer pour cette première épreuve, le prix La Clartière, une course de haie pour pouliche de 3 ans. 3500 mètres à parcourir avec Forbel qui va sauter en tête la première haie, avec en deuxième position à son extérieur Amour du Matin, alors qu'on vient en troisième position à l'extérieur avec La Grande Zame, alors que Zambézi Flow est en quatrième position avec Fée des Bois qui se rapproche complètement à l'extérieur. On est un peu plus loin avec Garilou, avec également Ephédrine, alors qu'on est en dernière position avec Vis Midlavis. Le passage du petit bois pour une première fois, abordé en tête par Forbel, avec également en deuxième position plutôt côté corde. Nous avons Zambézi Flow, accompagné encore à l'extérieur par Amour du Matin. Garilou, la casaque jaune et côté corde en quatrième, cinquième position. À l'extérieur, nous avons Fée des Bois, juste devant encore la Grande Zame. Et Fédrim vient ensuite avec également à son extérieur Aknine, le numéro 1. Et on est maintenant en position de Serfil avec Vismidlavis. Ils vont sortir du petit bois, des positions de tête qui ne varient guère, à savoir toujours Forbel, avec en deuxième position Amour du Matin, qui a pris maintenant l'avantage avec une demi-longueur d'avance maintenant sur Forbel. En troisième position, nous avons Zambézi Flow. On vient ensuite en file indienne avec maintenant Fée des Bois, juste devant la Grande Zame, qui est plutôt à l'extérieur, alors que Garilou est à son intérieur. L'arrière-garde composée actuellement par Agnine, par Ephédrine et également par Vismidlavis. Il se dirige vers la haie de la ligne droite des tribunes qui sera tout à l'heure la dernière. Sauter de front avec en tête Forbel et avec son extérieur toujours Amour du Matin. On est en troisième position avec le numéro 3. Zambézi Flow, alors qu'on vient en quatrième position avec Fée des Bois sur la même ligne, la Grande Zame, juste devant Garilou qui galope plutôt côté corde, à son extérieur Agnine, le numéro 1, juste devant le numéro 7 Ephédrine, et c'est toujours le numéro 9 Vismidlavis qui est en dernière position. Et on va aborder le tournant avec Amour du Matin côté corde, avec à son extérieur toujours Forbel en troisième position, Zambézi Flow, Fée des Bois qui vient quatrième, avec également à son extérieur la Grande Zame, juste devant Garilou, Argnine qui est à l'extérieur en avant-dernière position, et Ephédrine avec Vismidlavis. À l'Honnet Violette, alors qu'il reste 1600 mètres à parcourir, on anime toujours les débats avec le numéro 11 Forbel. On est toujours en deuxième position avec le numéro 4 Amour du Matin, avec en troisième position Zambézi Flow, devant encore côté corde Fée des Bois, avec également en cinquième position la Grande Zame. On se rapproche maintenant avec Arknine et également au centre avec Ephédrine, alors qu'on est un peu plus loin avec Vismidlavis. Il leur reste 1300 mètres à parcourir. Forbel qui a toujours l'avantage et qui galope à l'extérieur. Fée des Bois qui est venu le long de la corde en deuxième position. On est venu également au centre avec Zambézi Flow. On se rapproche en dehors avec Ephédrine. On se retrouve en cinquième position avec la casaque jaune de Dagarilou, avec la Grande Zame et également Arknine. On se retrouve en avant-dernière position maintenant avec Garilou et en dernière position avec Vismidlavis. Il leur reste un peu plus de 1000 mètres à parcourir avec Forbel à l'extérieur qui a l'avantage. Avec également côté corde, on est venu avec Fée des Bois alors qu'on est en troisième position avec Amour du Matin. Avec encore un peu plus loin Ephédrine avec également tout à l'extérieur, quelque peu monté. Nous avons Arknine avec encore la Grande Zame. Avec Fée des Bois maintenant qui a pris l'avantage, avec en deuxième position côté corde Ephédrine, en troisième position Zambézi Flow, avec également à l'extérieur Forbel, Garilou qui est toujours côté corde en cinquième position avec Amour du Matin, alors qu'un peu plus loin nous avons la Grande Zame avec Arknine qui est complètement à l'extérieur, et on est loin derrière maintenant avec Vismidlavis. Il se dirige maintenant vers la dernière haie avec Fée des Bois côté corde qui a l'avantage, menacé à son extérieur par Ephédrine, avec également en troisième position Amour du Matin, avec en quatrième position Zambézi Flow devant Garidou et encore un peu plus loin la Grande Zame devant Forbel et à l'extérieur Arknine pour aller sauter la dernière haie. C'est Ephédrine qui va la sauter en tête avec en deuxième position Amour du Matin, avec en troisième position Garidou centre avec également côté corde Fée des Bois et à l'extérieur Zambézi Flow et encore un peu plus loin Arknine. Il leur reste 50 mètres à parcourir, la cause est entendue maintenant pour Ephédrine qui va s'imposer dans cette première épreuve, le numéro 7. La deuxième place pour le numéro 4, Amour du Matin. Et la troisième place pour Garilou, le numéro 5. Devant Corlas, Arknine et un peu plus loin, Zambézi Flow, le numéro 3.